Dieu, viens à mon aide.
tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, le fils de ta servante, moi dont tu brises les chaînes, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur, je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père si ce n'est en grand.
choisi dans le Christ avant que le monde fût créé pour être saints et sans péché devant sa face grâce à son amour. De la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Les dons que le Christ a faits aux hommes, ce sont d'abord les apôtres, puis les prophètes et les missionnaires de l'Évangile, et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ. Au terme, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et à la vraie connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ. Quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. We are respected.
Quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Prenons appui sur la foi qui nous vient des apôtres et prions Dieu pour son peuple saint. Que ton Fils ressuscité se manifeste à ses apôtres, fais de nous les témoins de sa résurrection. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Toi qui as envoyé ton Fils porter aux pauvres la bonne nouvelle, donne-nous d'annoncer l'Évangile. Toi qui as envoyé ton Fils semer la parole, envoie des ouvriers à ta moisson. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Toi qui as envoyé ton Fils réconcilier le monde avec toi par son sang, fais de nous des instruments de paix. Toi qui as fait asseoir ton Fils à ta droite dans les cieux, accueille nos morts dans la joie du royaume. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Notre Père, en ces jours où nous célébrons l'apôtre saint Thomas, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de reprendre courage. Fais que nous ayons la vie en comprenant à notre tour que Jésus-Christ est Seigneur, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Amen.